Bon bah Jérôme, ça y est, c'est la rentrée, hein. Alors, ce que je te propose, c'est que moi j'aille là. Oui, tu seras bien. Parce que t'es plus grand que moi, et toi tu vas là. Exactement. D'accord. Et on est très angoissés avec nos petits cartables. Oh là là, mon Dieu. Bonjour à tous et bienvenue sur 01net TV. C'est la rentrée sur 01net TV, on va parler de high-tech encore oui. Toute cette saison. Oh là là, avec plein de bonnes choses qui arrivent, une actualité qui va être démente dans les semaines qui viennent, vous vous en doutez. Et pour débuter cette semaine, on va parler du back to school. C'est la grande période où l'on achète des ordinateurs et du matériel high-tech d'une manière générale. Des tablettes aussi, voilà. Plein de nouveautés côté constructeur, plein de promos. Quelles sont les tendances de cette rentrée 2014? Et oui, comment choisir sa tablette, son PC? Comment choisir entre l'un ou l'autre? On est allé dans un grand magasin spécialisé, comme on dit. Roup. Voilà, allez, on y va. Alors ça y est Jérôme, on range les serviettes de bain et on sort le PC. Mais peut-être que votre PC est vieux, tout fatigué, il n'en peut plus. Et vous vous apprêtez pour cette rentrée à acheter un nouveau PC, PC ou tablette tactile d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle la fameuse période du back to school, et le oui. Retour à l'école, qui est un peu un prétexte pour aller dépenser de l'argent dans les magasins de high-tech. Et la grosse tendance cette année François, pour commencer, c'est encore une fois une baisse des prix spectaculaire. Alors deux choses qui expliquent cela. Premièrement, la rentrée est toujours une période propice à la constitution de bundles et d'offres conjointes, à la constitution de prix bas. Et cette année, Microsoft et les marques traditionnelles de constructeurs de PC ont permis, sous certaines conditions, d'accéder et de faire baisser ce premier prix en accès consommateur. Un exemple, à la Fnac, on va trouver un premier accès à un ordinateur 15 pouces, donc les tailles classiques, 15 pouces 6, à partir de 249 €. Pas seulement un prix d'appel, mais des volumes disponibles. On peut monter pour avoir toute sa vie numérique pour seulement 50 € de plus. Parce qu'on là, on trouvera un 15 pouces 6 avec 1 Tera de stockage. Deuxième tendance de ce Back to School 2014, eh bien, les ordinateurs hybrides, François. Et oui, c'est qui se décrochent, hein, qui peuvent être à la fois tablettes, mais aussi PC. Et ça commence, ce genre d'appareil, à intéresser les consommateurs. Je souhaite avoir un PC et une tablette à la fois. Les avantages du PC, pouvoir travailler, avoir tout ce qui est Microsoft, Office, tout, Word, mais aussi pouvoir me déplacer avec sans problème, sans que ça soit encombrant comme l'ordinateur en fait. Cette année, c'est effectivement une grande tendance. Comment on la trouve? Principalement sur déjà un accès prix assez intéressant. Ça commence à moins de 300 €. Et on va trouver des produits détachables. Donc on a d'un côté une tablette 10 pouces complète à base de Windows 8 et un ordinateur qui peut permettre d'installer tous les logiciels habituels, par exemple une suite bureautique, pourquoi pas pour travailler, qui permet de brancher aussi un écran extérieur et on retrouve donc quasiment 80% des fonctionnalités d'un ordinateur classique. Je vais en acheter même plusieurs puisqu'il en faut pour deux de mes filles. Je m'étais dit 600 € par PC. Là, elle rentre en première et j'espère que ça va les emmener jusqu'au début des études universitaires. Après, elles se débrouilleront pour acheter le prochain. Et enfin, troisième tendance, Apple qui veut aussi sa part du gâteau, hein, du back to school. Cela dit, chez Apple, on le sait, un PC à 249 €, c'est pas évident à trouver. Hein. Oui, François, mais malgré tout, la marque à la pomme, qui est considérée souvent comme une marque de luxe, fait cette année quelques efforts intéressants sur les prix et apparemment, ça porte ses fruits. On va commencer à 1099 sur un produit dont le design et la taille d'écran sont assez impressionnants. Et puis, l'autre tendance, c'est l'impact d'Apple au global avec ses produits et le fait qu'on puisse proposer sur cette rentrée des produits pour les étudiants, des produits pour les familles, sur l'accès au système d'exploitation macOS. Voilà pour ce coup d'œil sur les tendances de cette rentrée high-tech en espérant que cela vous aidera à y voir plus clair. Bon, Jérôme, tu achètes quoi, toi? Parce que je te sens là, mais chaud comme la braise, là. C'est parti. Je crois que la carte va chauffer. Et puis sachez que le Back to School, c'est pas terminé sur 01net, 01net.com avec un dossier complet qui vous attend pour bien choisir votre PC ou votre tablette. Et puis sur 01net TV, on remet une couche demain, Jérôme, demain mardi, dès 18h, avec un événement, on recevra la vice-présidente d'HP France. Voilà, on vous attend très vite sur 01net.tv, c'est reparti pour une nouvelle saison, salut à tous. Salut à tous. We'll be right back.